Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un très beau gâteau tout chocolat moelleux avec l'idée d'une crème gourmande sans machine. En plus, la préparation au bout de 5 minutes. Donc, comme d'habitude, c'est très facile et rapide à faire. Et après, vous allez gâter avec vos enfants, la famille ou vos amis. Pour goûter ou pendant le week-end ou si vous recevez vos invités, ce gâteau est vraiment, vraiment un vrai, vrai délice. Trop bon, tout chocolat avec une crème gourmande dedans. Donc, je vous invite à tester ce gâteau et n'oubliez pas le pouce bleu s'il vous a plu. Je vous remercie, partagez la recette et on passe tout de suite aux ingrédients. Donc, pour cela, j'aurai avoir besoin de 3 œufs. Et avec les 3 œufs, le sucre vanillé, une petite cuillère, 7 grammes, la pincée du sel, la poudre de cacao, une cuillère à soupe, levure chimique, 14 grammes, sucre semoule, 150 grammes, huile végétale au tournesol, 80 millilitres, du lait, 150 millilitres, un grand verre, et la farine du blé tendre tamisée. 250 grammes. Donc, dans un mixeur, je verse les œufs, la pincée du sel, le sucre vanillé et le sucre semoule avec un verre rempli du lait et huile normale ou végétale et je mixe. Et après, dans ce saladier, je verse le mélange et je rajoute la farine, la levure, cacao tamisé. Et avec le fouet à la main, je mélange. Voilà. Donc, je mélange jusqu'à l'obtention d'un mélange comme celui du cake. Voilà. Et après, je le verse dans un moule du four, huilé et fariné. J'ai choisi celui-là, ronde. Vous choisissez selon ce que vous voulez. Donc voilà. À cet instant, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et c'est parti au four 35 à 40 minutes. Et après, le voilà. Il est bien cuit, j'ai testé avec la lame d'un couteau, voilà. S'il s'en sort sec, ça veut dire qu'il est bien cuit dedans. Je vais maintenant l'humidifier avec un verre du lait, mélangé avec une petite cuillère de chocolat, le chocolat qu'on rajoute aux boissons du lait, voilà. Sucré. Donc voilà. Et avec une fourchette ou un cure-dent, je pique le gâteau. Pour que le lait pénètre bien dedans, voilà. Ce gâteau est déjà très léger, donc c'est pas obligatoire de faire cette étape. Ça dépend de vous. Vous pouvez aussi mettre du café qu'on boit chaque jour à la place du lait. Donc vous faites ce que vous voulez. Et ce que vous aimez, voilà. Je laisse à côté et je prends 100 g de chocolat que je vais fondre. Pour le glaçage, je vais démouler mon cake maintenant. Et avec un couteau, je le divise par deux pour mettre la crème à l'intérieur. Voilà. Alors, pour cela, je vous montre une idée qui est vraiment super. C'est de mettre le fromage frais sucré. Donc, pour cela, j'aurai avoir besoin de deux pots de fromage frais sucré, comme ceci. Donc, regardez, elle est épais, voilà.
Donc, c'est 170 grammes. Donc, avec cette idée-là, vous n'aurez pas à avoir besoin d'utiliser une machine ou un robot. Et le plus important, le goût est vraiment, vraiment délicieux avec. Donc, maintenant, il me reste que de couvrir le gâteau avec le chocolat fondu, mélangé avec un peu de lait. Avec un yaourt au chocolat. Ce dernier, selon le choix, vous pouvez le mettre ou pas. Donc, ça dépend de vous. Mais ça donne un goût et la brillance au cake. Donc, voilà. Donc, une autre idée aussi, vous pouvez tout simplement badigeonner le cake avec le yaourt au chocolat. Donc, ça dépend de vous. Donc, voilà. Et comme sorte de décoration, je râpe le chocolat blanc par-dessus. Voilà, je le mets maintenant au frais jusqu'au moment de dégustation. Je découpe un morceau pour vous montrer comment il est dedans. Donc voilà. Magnifique, super, moelleux, tout chocolat. Trop, trop bon et délicieux. Je vous invite sincèrement à tester ce gâteau. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime s'il vous a plu. Partagez-le. Et abonnez-vous à la chaîne Cuisine marocaine si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie à tous un par un de suivre la vidéo et je vous dis à la prochaine.